peut-on être rentier avec un bien immobilier en 2023 ? Bonjour les polis investisseurs, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur une question que beaucoup d'investisseurs se posent ou avant de devenir investisseur, est-ce qu'avec un seul bien immobilier, eh bien je vais pouvoir être rentier, c'est-à-dire vivre de mes revenus immobiliers sans avoir besoin de travailler. Mais avant de répondre à la question, pensez à activer la cloche, à vous abonner et si vous avez des questions, zone commentaire évidemment pour que je précise les propos ou si vous voulez vous-même apporter votre expérience pour enrichir la communauté. Revenons à la question, est-ce que je peux vivre avec un seul bien immobilier? Je sais que c'est le type de question que certains peuvent se poser et puis ça peut faire rêver, ah je fais un bien immobilier, j'arrête de travailler, aïe, j'ai atteint mes objectifs et terminé. Eh bien je vais être modéré sur la réponse parce qu'elle peut être à la fois positive et négative. Ça va dépendre de plusieurs paramètres. Oui, vous pouvez vivre de vos rentes immobilières avec un seul bien immobilier, mais ça va par exemple dépendre de l'exploitation et de la taille de l'investissement. Je vais caricaturer volontairement dans le cadre de cette vidéo pour que les propos soient le plus clairs possible. Si demain vous faites un investissement dans le cadre d'un studio qui va faire 20 mètres carrés, en fonction de sa localisation et que vous allez gagner 400 euros par mois, enfin vous allez percevoir 400 euros de loyer par mois hors charge et que vous avez un crédit qui est de 300 euros sur ce logement-là, eh bien ça va vous faire 100 euros de trésorerie excédentaire, de cash flow par mois et on peut certainement convenir que c'est trop peu pour en vivre tous les mois d'avoir 100 euros. Donc première situation, petit logement, petite rémunération, enfin petit cash flow excédentaire et du coup pas du tout adapté. Maintenant, si je vous dis que ce même logement-là, eh bien, il va être situé à Paris pendant, je vous dis n'importe quoi, un événement tel que la Coupe du Monde et qu'il va y avoir beaucoup de personnes et qu'il va être exploité en location courte durée. Eh bien, peut-être que ce studio-là, eh bien, compte tenu de son emplacement, va être loué, je vous dis encore une fois, n'importe quoi, hein, 300 euros la nuit et que, eh bien, allez, il va être rempli à un taux de 100%. Ce qui est peu souvent le cas, mais bon, pour l'exemple, j'ai dit que je caricaturais. Et donc, nous allons faire 300 euros la nuit fois 30 nuits. Et donc, nous allons être à 9000 euros par mois. Alors certes, en exploitation courte durée, eh bien, il y a des charges à abattre. Par réflexe, on va dire qu'on supprime 50% de charges. Donc, il nous resterait 4500 euros par mois, moins l'imposition. On pourrait convenir qu'il nous reste allez, entre 2500 et 3000 euros par mois. Volontairement, je grossis les traits puisque je ne vais pas dans les détails avec les tranches marginales d'imposition, avec le fait de savoir si on est sous un régime qui serait en loueur meublé professionnel ou une forme sociétale par exemple. Voilà, donc c'est simplement pour vous donner des grandes lignes, mais on pourrait convenir que 2 ou 3000 euros par mois en fonction de où vous vivez pourrait suffire. Donc là, vous voyez, on vient de parler à la fois de la localisation et à la fois du mode d'exploitation. Ça pourrait être la même chose si demain, je vous disais non pas qu'on va se concentrer sur le mode d'exploitation, mais sur la taille. Imaginez demain que vous ayez donc un studio donc qui produirait eh bien, par exemple 100 euros de trésorerie excédentaire, mais que cette fois-ci, vous n'êtes plus sur un studio, mais sur un montant d'investissement qui est beaucoup plus important, mais vous êtes sur un immeuble. Et évidemment, si vous êtes sur un immeuble ou plusieurs immeubles, eh bien, ce que vous aviez sur un studio va être démultiplié en termes de taille, mais ne va pas nécessairement être corrélé à un crédit bancaire qui serait largement supérieur. Donc, vous pourriez tout à fait vous retrouver avec un immeuble qui aurait 10 logements. Encore une fois, je caricature, c'est vraiment pour comprendre l'exemple et que vous compreniez la dynamique. Avec 10 logements, sur chacun de ces logements-là, eh bien, vous feriez 200 euros de cash flow excédentaire convenu du crédit. Eh bien, ça signifierait que vous feriez 2000 euros par mois d'excédent avant, bien sûr, la soumission aux impôts. Donc ça, c'est une autre manière de voir. Ce n'est non plus par l'exploitation, mais c'est par rapport au volume. Et ensuite, la troisième chose qu'il faut mettre en perspective, c'est qu'est-ce que signifie aujourd'hui vivre de ses rentes? Parce que ça va dépendre de votre objectif. Certaines personnes avec un bien immobilier vont atteindre leurs objectifs, tandis que d'autres, pas du tout.
C'est-à-dire que certaines personnes vont se dire, bien moi, mon objectif, c'est d'atteindre 1000 euros par mois, parce que pour moi, c'est suffisant compte tenu de l'objectif que je me fixe, et parce que peut-être que je n'ai pas non plus totalement envie d'arrêter mon activité professionnelle, j'ai envie de me mettre à mi-temps, parce que c'est par plaisir, c'est par passion, ou j'ai envie de faire d'autres activités à côté. Alors qu'il y a certaines personnes qui vont, elles, juger que pour être en rentier, eh bien, elles doivent avoir 5000 euros par mois, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 euros. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, peut-être qu'un bien immobilier ne serait pas suffisant, alors que pour d'autres, eh bien, ça va certainement être suffisant. Donc, convenu de tous ces éléments-là, eh bien, vous comprenez que je préfère être modéré sur la réponse. Est-ce qu'un bien immobilier eh bien, est suffisant pour être rentier en 2023? Ça va dépendre de mes objectifs, ça va dépendre du nombre d'investissements que je vais avoir, ça va dépendre de la localisation, ça va dépendre de l'exploitation que je vais en faire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous orienter davantage sur ce que vous souhaitez faire et si vous avez besoin de faire un ou plusieurs investissements. D'ici là, si vous voulez passer plus de temps, eh bien, vous pouvez nous rejoindre avec Julien. Plusieurs informations qui portent sur l'investissement immobilier. Portez-vous bien et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.